Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve au bord de l'eau pour une présentation de l'heure. Cette fois-ci, je vais vous présenter le Glide Hustler de chez Vagabond. J'espère que vous le voyez bien. C'est un jerkbait en gros, ou un swim, ça dépend des marques, comment ils les appellent. Donc en gros, c'est un leurre à jerker. C'est spécialement dédié pour la pêche du brochet ou du musky. Après, vous pouvez bien évidemment prendre du cendre avec. J'ai déjà vu des gens qui en ont pris justement. Donc c'est vraiment une... Donc celui-là, il fait 53 grammes, 13 cm. Donc comme je vous ai dit, c'est la marque Vagabond qui fait ça, distribuée par Ultimate Fishing en France. Donc vraiment une très belle tête, j'aime vraiment beaucoup les yeux et surtout cette tête un peu agressive. Donc un corps assez profilé et plat, avec de très gros hameçons, donc faites très très attention, ça s'accroche très facilement. Et si vous rentrez ça dans le doigt, ça fait très mal. Donc be careful, comme on dit en anglais. Donc un leurre à jerker, d'où son nom, jerkbait. Donc je vais vous montrer un petit peu la nage. Et bien évidemment, vous verrez à la fin de la vidéo une présentation subaquatique pour voir justement la nage qu'il a. Donc c'est un leurre avec des billes bruiteuses très importantes pour énerver le poisson. C'est vraiment un leurre efficace en toute saison. On va passer directement à la nage et à l'animation. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez plusieurs choix. Donc c'est un leurre coulant. Faites très attention où vous pêchez parce que ça coûte assez cher. C'est dans les 30 euros. Donc évidemment, il va falloir faire très attention. Donc au niveau de la finition, vous avez vu, ça c'est plutôt coloré basse perche, on va dire, avec des flancs très flashy afin de créer justement un effet brillant dans l'eau. Donc je vais vous montrer tout simplement, bien évidemment, adapter votre plombage et votre puissance de canne avec votre leurre. Évidemment, vous n'allez pas pêcher en dessous de 50 grammes. Donc vous prévoyez bien évidemment le matériel adéquat. Donc très simple pour lancer. Je vais pas vous faire un dessin, hop, on va le lancer. Donc l'animation, hop, est très simple. Vous avez juste à jerker, à donner des coups secs, comme ça, dans l'eau. Pourquoi pas faire quelques pauses pour que le leurre redescende. Hop, et souvent la touche se fait à la descente, vous allez voir. Et bien évidemment, je prends du poisson étant donné que c'est pas le but de cette vidéo. Donc vous jerkez, hop, vous faites des petites pauses. Et le leurre a tendance à descendre tout doucement comme ça. Vu que celui-ci c'est un coulant, ça fait vraiment son effet. Hein, ça imite vraiment un poisson. Et ça énerve vraiment le brochet. Hop, on va refaire un autre petit lancer pour vous montrer. Avec une façon différente de le ramener. Donc vous pouvez le ramener aussi avec juste des coups de manivelle comme ceci. Je vais vous montrer plus précisément. Juste des coups de manivelle. Et ça fait aussi son effet. D'accord. Donc le leurre il va de droite à gauche. De droite à gauche. Tac, 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 ce qui va énerver vraiment le poisson et en même temps avec les billes qu'il y a dedans, ça va vraiment l'énerver. Hop, voilà, comme ceci. Tac, tac. Voilà, donc c'était le Glide Hustler de chez Vagabond. Je vous laisse avec la nage de l'heure. Ciao, ciao.